Alors, comment vous expliquez, c'est que mon premier source d'inspiration, c'était bien sûr Eric Clapton, quand nous étions à l'hôtel, qui nous fait le déclic dans mon carrière. Et la chanson que j'ai interprétée, c'était Tears in Heaven. Ça me fait mon mari plaisir pour t'aider, que je t'aime un petit bout. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Ça, c'est un peu ce qui m'a interprété ce premier jour qui m'a senti là. Après, mon père Nazis, il y a plusieurs sources d'inspiration encore qui m'ont les autres découvrir. Je suis un peu plus de temps pour moi, surtout dans mon carrière. Donc voilà, moi j'ai trouvé, ça c'est un endroit qui vraiment tenait moi à cœur, la citadelle, parce que souvent, je prends beaucoup d'inspiration ici, parce que commencement, avant que je vienne santé, même on assisté à un plus grand concert ici à la citadelle, tel que Cassia et ben grand santé comme Francis Cabrel, Pascal Obispo, j'ai eu l'occasion de trouver ici, là, la scène, comme je suis en Cozen. Aussi, comment je travaille aux stations nationales, à la radio. Quand je commence à faire mon émission, que tu peux tout le temps causer ce qu'on va faire l'amour, jusqu'à mon gars, du monde, une des autres camarades dans mon voyage, dans mon émission, tiennent un moment vraiment extraordinaire. Écoute, du monde, même qui commence à appeler moi, Mr. Love, Monsieur l'amour, Mr. Love. Et depuis ça, ça nous l'aime rester. Je me dis pourquoi pas, nous gardons ça nous là parce qu'il reflétait une image positive. Alors moi, mon carrière musicale, j'ai commencé très très jeune. Parce que j'ai commencé en tant que musicien. Et moi, j'ai un professeur à l'école qui s'appelle Nuelzon, qui lui-même qui apprend moi toutes affaires dans la musique. Jamais moi, je vous pensais un jour où je venais de sentir. Mais c'est à l'âge de 14 ans et demi, quand on a dans le circuit hôtellerie, quand je peux jouer avec lui, j'arrive à un moment donné, quand moi, je peux besoin, remplace un sentier dans l'hôtel. Mon interprète des sentiers. Et sa démo sur la première chanson, c'était Baby Can I Hold You Tonight de Tracy Chapman. Et deuxième santé, c'était Tears in Heaven d'Eric Clapton. À ce moment-là, sans qu'il me connaisse, NCV vient avec moi après mes prestations. Il y a un du monde qui a visionné avec moi. C'était Eric Clapton en personne, accompagné de sa femme. Banane, si vous venez célébrer votre anniversaire, Moria, dans un hôtel. Banane, des mamans, Depuis quand vous sentez, vous dites, vous faites commencer et jamais vous sentez devant un public, c'était la première fois. Et depuis ce moment-là, c'est une de moi, vraiment un gros encouragement qui, quand il y a Mr. Love, a commencé à partir de là en 1999. Et voilà.